Bonjour, votre fidèle serviteur est aux côtés de Franck Sauzet pour vous faire vivre cette rencontre. Faites comme chez vous, d'ailleurs vous êtes chez vous. Et le favori, on le connaît évidemment. Ça semble ne faire aucun doute en effet, encore que. Toujours un peu de tension dans les travées sur la pelouse alors que le coup d'envoi vient d'être donné. Non, c'est mal dosé, ce sera une touche. Ballon pour Rooney. Ballon pour Steven Gerrard. Scott Parker. Très beau ballon. Oh, la bonne occasion. Oh, la jolie frappe. Ouais, il y est. Ah, c'est peut-être les ballons les plus difficiles à aller chercher. Ces frappes magnifiques à ras de terre. Elle est placée comme cela, au ras du poteau. C'est très difficile pour le gardien d'aller la chercher. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Scott Parker. Gerrard. Oh, bien vu. Oh, gonflé, le tacle glissé dans la surface. Ah, ça sera une sortie de but. Défensif là de Wayne Rooney qui intercepte. Attention à lui, il dégaine très vite. Ce serait une touche pour l'Angleterre. Ballon pour Rooney. Ouais. Non, ça bloque pour le gardien. C'est John Terry qui est sur ce ballon. Un ballon pour Walcott. Scott Parker. Ah, ça tourne bien. Et le ballon qui arrive dans la surface. Oui, il a mis son corps en opposition. Ça, c'est bien joué. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Le ballon dans les pieds d'Ashley Cole, finalement. Ballon bien donné de la tête. Ashley Young. Ouais, c'est repris par Cole. Ouais, dommage. Cette passe qui file en touche. Ah, la belle passe, ça chauffe. Cette récupération. La défense concède donc le corner. Ça joue, dit l'arbitre. C'est... Oui, il faut qu'il n'y ait pas de quoi crier au scandale.
Oui, il l'a trouvé. Alors, est-ce qu'il va centrer? Ah, il faut tourner. Peut-être le but. Et directement sur le gardien qui n'a pas eu à bouger. Il se dispute le contrôle du ballon. Wayne Rooney. Oh, la bonne passe bien dosée. Oui, dans la surface. Oh, la frappe, elle passe juste à côté. C'était beau. Et l'interception de Théo Walcott qui récupère ce ballon. Oh, que ça circule bien, c'est beau. Oh, ils vont marquer peut-être. Oh là là, hors-jeu, le drapeau qui s'est levé. Oh, c'est jamais facile hein, de juger. Mais là, ça n'a pas dû se jouer à grand-chose. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Scott Parker. Oh, très dangereux ce ballon qui se balade. Inspiré. Et les équipes qui se retrouvent à égalité. Capitaine buteur sur cette action. Il fallait hein, montrer l'exemple dans cette équipe et il a bien rempli son rôle. Oh, il fallait oser. Mais quelle frappe, quelle puissance dans cette frappe lointaine. Et ils égalisent donc un but partout. Tiens, petite interrogation surprise sur l'Euro, Franck. Oh, j'ai peur. Savez-vous dans quel pays a été organisé le premier Euro? Et je dirais bien en France. Mais il doit y avoir un piège, non, je suppose. Eh bien, non, c'est bien en France, 1960. Gagné. C'est bien donné, ça peut donner quelque chose. C'était dangereux, hein, ce tacle dans la surface. Et il monte sur John Terry. Ballon rendu à l'adversaire. Ouais, c'est bien donné ça. Avec Gerrard. Ashley Cole. Oh oui, bien vu la passe. La série de passes qui s'achève. Allez, il va falloir faire attention au marquage sur cette remise en jeu de l'Angleterre. Oui, il a un peu d'espace. Ashley Young. Steven Gerrard. Gerrard allait faire de la peine, mais ça n'arrivera pas. Et c'est la mi-temps ici. Hein. Les joueurs vont pouvoir souffler un peu. C'est toujours aussi serré entre ces deux formations. Et elles font jeu égal pour le moment. Il faudrait peut-être tenter un peu plus pour essayer de surprendre un bloc qui, de part et d'autre, est bien en place. This could be a problem. Looks like I'm falling. Heartache takes
Le début de la seconde période dans un instant avec les Anglais cette fois-ci à l'engagement. Walcott. Gain Johnson. Ashley Cole. Avec Gerrard. Ouais, c'est récupéré, il faut bien jouer le coup maintenant. Allez, il va falloir faire attention au marquage sur cette remise en jeu de l'Angleterre. Et il centre ! Corner pour l'Angleterre. Ah, c'est sans danger pour la défense, hein, le corner. Bien joué. Oui, il le passe. C'est dégagé par John Terry. C'est une touche. Scott Parker. Et ballon pour Walcott. Gain Johnson. Pour Steven Gerrard. Quelle classe chez ce milieu de terrain. Ouais, l'un des tout meilleurs au monde pour moi à son poste. Il sait tout faire, hein, c'est simple. Gerrard. Alors je ne sais pas si Monsieur Frölander va sortir un carton pour cette faute. C'est intercepté par Steven Gerrard. Oh oui, il est beau ce ballon. Oh, belle passe. Oh, quel poison ces ballons. Andy Carroll toujours aussi dangereux dans les airs. Même si là, le gardien s'en sort bien. Là, il est sorti de but. Et l'entraîneur qui sent son équipe butée face à l'adversaire change de dispositif et fait rentrer du son neuf. Johnson avec Gerrard. Et ça continue. Et finalement, ça n'ira pas plus loin. À quelques centimètres près, c'eût été un corner. Et les intentions de l'entraîneur, elles sont claires. Elle veut gagner. Il sent que son équipe piétine, alors il réajuste son schéma tactique. Oh, il se trouve bien. Oh, ça aurait pu être son doublé. Ouais, cette fois le gardien a pu s'interposer. Andrew Carroll. Attention à son jeu de tête qui fait souvent merveille. Bonne circulation du ballon. Alors là, c'est fini. Gerrard. Ashley Cole. Ballon pour Steven Gerrard. Scott Parker. À deux. Oh, bien centré. Ballon repoussé par le gardien, ça joue. Ah oui, interception d'Ashley Cole. Il les aime, ses positions sur l'aile. Attention au centre. Il met le ballon dans la boîte. Là, il ne s'est pas embêté avec la relance. Là, ça revient dans les pieds de l'adversaire. Il avait bien senti les intentions d'Ashley Cole là, sur cette passe. Tourner en attendant l'ouverture. Ouais, bon, bah, ça n'ira pas plus loin. Et ce ballon qui sort, touche. Tandis que l'entraîneur abat ses dernières cartes avec ce changement.
manifestement il veut gagner ce match. Downing, Ashley Young. Ouais, bien vu cette passe. Allez, on fait tourner en attendant de pouvoir placer une flèche. Oh, un centre un petit peu raté finalement. Personne ne peut reprendre le centre. Ouais, également servi, attention. Oh, ils prennent l'avantage, un but très important. Et ça fait deux buts pour son compte personnel. Ah, c'est un vrai but avant-centre, comme on dit souvent. Et ils prennent les devants, le score qui est de 2 buts à 1. Très bon ballon, ça. Ah oui, la belle passe. Passe précise, cette passe dommage. Downing. Scott Parker. Et l'Angleterre qui pousse hein, avec ce ballon. Oh, la belle frappe. Oh, histoire de parachever cette belle victoire. Et histoire aussi de passer les toutes dernières minutes, l'esprit tranquille. Et ils ont profité de la perte de balle de l'adversaire. Et ensuite, c'est allé très vite. Et le score, vous le voyez, ça fait 3 buts à 1. Il est passé. Il trouve son partenaire. Oh, il faut l'arrêter. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Oh, et voilà. Alors on voit ce but qui leur permet de réduire l'écart. Qui sait ? Ouais, il ne reste plus beaucoup de temps à jouer, mais après tout, hein, il y a un petit peu de retard. Et c'est un but, hein, un contre rondement mené, beaucoup de qualité de passe et surtout beaucoup de vitesse. Un petit but qui les sépare désormais, le score est de 3 buts à 2. Steven Gerrard. Et on fait tourner, on se rend disponible, c'est vraiment du beau football. Scott Parker. Avec Gerrard. Et en passe. La frappe. Oh, c'est bien parti. Oh, c'est dedans. C'est un match énorme, tout simplement. 3 buts d'affilée, c'est superbe. Et le score qui est maintenant de 4 buts à 2. Décidément, on a des buts. Et le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Vous voyez, ça joue bien là. Ça peut être dangereux. Oh, ça va rentrer. Oui, but. Et voilà, donc il relance l'intérêt de cette fin de match. Ben oui, on pensait que tout était plié, mais non. Allez, plus qu'un but à combler. Oui, un but qui ne changera pas fondamentalement les choses et qui n'influera pas sur le résultat final. Alors, cette rencontre aura tenu toutes ses promesses. Hein. 4 buts à 3, score final. Dites-moi, Franck, quelle fin de match on a vécu. Ah ouais, ça s'est joué à pas grand-chose quand même. Hein. Toute fin de match, là. Et ils ont su accélérer quand il le fallait. Et après, l'adversaire n'a rien pu faire pour espérer revenir. Et voilà, nous allons nous quitter. À très bientôt, j'espère.